Faucon s'est perdu aux alentours de Plermel. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça se fasse, Monseigneur de Serrant? Monseigneur! Quoi? Un fauconnier a le devoir de retrouver ses oiseaux égarés, sinon sa légitimité auprès de son suzerain se trouve compromise. Je sais bien, mais Seigneur! J'ajouterais même que ce petit faucon, un faucon trompe-le-ron, que je destinais à Madame de Patière, l'épouse de Charles de Blois, notre... Ah! Ramène pas! Messire Chevalier, Monseigneur le Duc vous propose de jeter courtoisement afin... Les chevaliers en présence sont, d'une part, les sires Raoul d'Apremont et Guillaume de Beaumanoir. Le chevalier d'Apremont, seigneur d'Aubigny, des Essarts et de Chantenay. Il arbore les couleurs de sa famille, de Gueule au Renard d'Or. De ces frères liturgiques,
Alors merci, parce que sur les 4 prestations de la journée qu'on a eues, tous les publics ont compris la blague. Et ça vraiment, ça nous fait du bien. Alors on enchaîne avec un morceau, alors c'est là où le public va pousser un ah de soulagement, parce que ceux qui nous connaissent, eh bien, vous avez l'habitude de savoir qu'on ne fait pas beaucoup de morceaux en français. Ceux qui ne connaissent pas, ben, maintenant vous êtes au courant. Et nous arrivons donc sur un des seuls morceaux en français de notre répertoire. Il n'y en a que 4 qui sont contents. Les autres, vous préférez qu'on chante en langue bizarre. Bonsoir. C'est donc le seul morceau en français de notre répertoire. Alors, en plus, c'est un morceau qui vient de chez vous. Ça s'appelle Le Maître de la Maison. Alors, le principe n'est pas compliqué, comme beaucoup de chansons bretonnes. On chante un truc, vous le répétez après. Donc, on va voir si tout le monde a bien saisi. Le morceau va commencer par la phrase suivante. Mais où est donc le maître de la maison? Chose à quoi il va falloir répondre. Alors, l'intention y est, c'est le principal, hein, on ne va pas se mentir, mais par contre, il faut se mettre d'accord. Alors, je vous fais 1, 2, 3, à 3, c'est à toi. Ce qui était à seulement à 1 de volume sur le bouton, passez à 11, ça ira beaucoup mieux. Et nous, comme ça, on va se sentir wow, submergé par cette foule. Et là, on ne voit pas la fin. Bref, 1, 2, 3. Et nous, donc, le maître de la maison. Ok, donc maintenant vraiment à 11 le potard de volume. 1, 2, 3. Et nous donc le maître de la maison. Ok, super. Alors ça change pendant le morceau, hein, ça reste pas le maître tout du long. Après c'est la maîtresse, le fils, la fille, la servante, le chat, le rat, bref, voilà. Il y a un peu de tout. Donc, sans surprise, avec le... c'est parti. Le morceau s'appelle. Ok, il y en a deux qui suivent. Accord perdu.
maison. Il descend la rue, coule sa charrue, car il se rétend labourer les champs. Où est donc la maîtresse de la maison? Elle fait la cuisine sans olive farine, dans la poule au pot, et garde le magot, et garde le magot.